Salut tout le monde, bienvenue dans les 10 chaque classe. Jodi a, on va parler nous de grippe espagnole là, Spanish flu. Yo dit que c'est une grippe qui tue plus monde dans le monde entier. Thème commence avec citation ça de Desmond Ford. Yon monde qui gen bon comprendre changer d'idée parfois. C'est seul monde fou qui pas changer d'idée. Pour me continuer, m'a répété ligne ça dans youn nan discours président Clinton yo. C'est seul un monde fou qui pas changer d'avis. Comme d'habitude avant de continuer plus loin, rentrer dans sujet, m'a bay crédit à Frem Brangel qui entamé sujet ça avec moi lors de une conversation téléphonique. Une fois de plus, moins changer l'idée comme une femme qui a une tête bien placée sous épaule et qui a comprendre. Li prend sujet ça comme exemple pour te capable courage avec situation que n'a vive là kounia. Moins sûr que ça ban ou espoir tout spécialement sous fait en koum éviter toute nouvelle avec image négative ça yo pendant que vous été informé. Kounia te montré dans sujet a pi mauvais grippe terrible qui te gagne sous la terre. C'était grippe espagnole ça. Virus ça te contaminé 500 millions moun sous la terre, à peu près un tiers population mondiale là. Yo te estimé environ de 20 à 50 millions moun qui mouri, parmi lesquels te gagne 675 000 Américains. Grippe espagnole là tué plus moun. L'homme était ensemble soldat avec civil qui était mort dans la Première Guerre mondiale. C'est la même répétition bien qu'on y a. Ils ont fermé l'école, ils ont fermé les magasins, cadavres pile sous pile. Grippe là en total a duré de 2 ans. Dans l'époque automne, ils ont observé que c'est là ça plus de mourir. Historiens ont pensé que gravité fatale, deuxième cause grippe là, t'est propagé à cause de mouvement troupes militaires qui étaient en guerre là. L'été premier paraît dans mois de mars pendant saison grippe yo, elle était très contagieuse. Premier cas qui enregistré, c'était Albert Gitchell, un cuisinier dans l'armée américaine qui était dans camp Funston au Kansas. Il était hospitalisé avec la fièvre de 104 degrés. Tant pour fin mois arrivé, li propagé rapidement dans kay côté où t'es installé 54 000 soldats yo. Et puis t'es gen 1100 qui t'es hospitalisé, parmi lesquels t'es gen 38 qui mouri à cause que t'es développé pneumonie. D'après scientifiques, yo, yo pensé que grippe la t'es commencé en Espagne. Ensuite, yo dit que la France, la Chine et Grande-Bretagne c'était en place yo considérer que grippe là te prend naissance. Puis pendant ce temps, premier cas comme moi t'ai dit nous avant, il était commencé dans base militaire Kansas le 11 mars 1918. Apparemment, chercheur yo pote que j'ai découvert qui ça qui t'ai fait grippe ça fatale comme ça. Bien que bon paquet études approfondies que yo fait sur monde qui t'ai victime yo. Troupes armées américaines et transporter grippe espagnole là en Europe avec eux pendant qu'ils étaient fait déployer pour la guerre. Il était propagé en Angleterre, en France, en Italie et pour qu'avril avec mai. Ils ont estimé que 3/4 militaires français ont été infectés dans l'époque printemps 1918 jusqu'à moitié tout britannique. Heureusement, première vague virus là, pas particulièrement tué monde. Il fait 3 jours sous monde et puis c'est la fièvre avec petit malaise qui pas tellement grave. Taux de mortalité a été même genre avec grippe qui toujours là chaque saison et comme ça. L'époque World Day 1918 est suspendu, rechuté dans le début mois d'août. Il fait tout court. Il dit qu'on sait que c'était calme avant tempête là. Quelque part en Europe, virus muté ça, de grippe espagnole ça, l'a tué, mon
monde dans 24 heures de temps. Jeune fille, jeune garçon qui est en santé. La France, l'Angleterre avec les États-Unis étaient interdit que journalistes parlaient de grippe ça pendant saison de guerre ça capture spécialement troupio. Cependant, pas d'interdiction ça parce que l'Espagne pas fait part de guerre là. Journaliste espagnol aussi ça fait c'était au même qui était présenté qui était commencé parler de épidémie qui a fait reportage sur ça. Ça fait mon côté pas grippe là. Non, grippe espagnole là c'est à cause de ça. Pandémie a recommencé en août 1918 pour deuxième fois. Le bateau militaire était quitté anglais. Il a transporté militaires contaminés clandestinement dans ville Brest en France, Boston États-Unis avec Freetown en Afrique de l'Ouest. Après quelques décennies de recherches, scientifiques ont arrivé à expliquer phénomène cytokine. Le virus attaque corps humain. Système immunitaire la répond par des voies de protéines messagères qui relaient cytokines. Dans le moment ça, H1N1 qui est responsable d'épidémie grippe espagnole peut déclencher une réaction excessive immunitaire dangereuse dans le monde qui est en bonne santé. Moi, pas qu'à bail plus de détails, mais pas qu'à expliquer mieux parce que pas dans la santé. Nous-mêmes, nous avons essayé Lili et puis nous avons fait un monde qui n'a profession bah nous plus explication de ça. Gardez photo cap vidéo pour plus de détails. Aujourd'hui, comme c'est toujours vu, majorité de l'émission mieux, les possibilités pour faire plus de recherches pour approfondir connaissance. Je vais partager une petite histoire très courte avec nous avant d'aller. Majorité séries télévisées que je regarde, c'est toujours Mesdames Jumelles qui sont non yo, telles que nouvelle série Dynastie, Greenleaf, The Mistresses, This Is Us, The Good Doctor. Yo référé Little Fires Everywhere pendant que m'na confinement là. Mon Dieu, ça li vraiment que même sur les nerfs de mesdames ça yo. Kerry Washington avec Riz. Si nous pouvons regarder yo, mettez yo dans liste nous. Merci nous merci pour tant nous croire pour nous décaler l'émission ça. Mandez nous pour nous partager show avec amis nous très important. Pas oublier mettez bon petit commentaire pour moi que commis mettez like. Pas oublier laver mais nous on espère que très bientôt ça son rêve que va la servir. Bye.